En ce moment, toutes mes pensées vont à cette grande famille que nous formons. Shimita, Nzenze, Jonikel, Joël, Ekula Adamo, Adam Wangisa, Delvis Tassero, Jeffar, Lidjo Kwempa, Tex Mambote. La liste est longue, donc je n'arriverai pas à citer tout le monde, mais sachez seulement que je vous porte tous dans mon cœur. Et tous ceux qui nous ont quittés, Franco le grand maître, parrain de grands Aikowawa, Defao na kendaka kosenga ye et paya babuti na ye na inkisi qui sentou. Aya directement et paya na biso na Victoire Gambela et paya babuti na ngai. Abimela n'orchestre grand Zaiko Wawa. Abimela n'orchestre moussousouté. Nabimisa ye na grand Zaiko pe mokili et ye bakaye. J'étais en tournée pour roder la nouvelle formule de mon groupe avec le soutien de deux producteurs, j'ai nommé Monsieur Alamoulé et Verkis Kiamangana. Et pendant le séjour à Kisantu, les fans de la région m'avaient informé que dans le coin résidait un jeune chanteur, Fonfon, et qu'il pouvait apporter un plus dans la nouvelle ossature que je formais. Sans hésiter, j'avais demandé de le faire venir pour un entretien d'embauche et c'était concluant. J'avais donné mon aval pour son admission et c'est mon jeune frère Michel Matiaba qui est directeur général de la société Aigle Service et mon aîné, un de mes producteurs, Papa Alamoulé. C'est les deux personnes que j'avais mandatées pour aller chercher des FAO à Inkisi et le ramener à Kinshasa pour intégrer mon groupe officiellement et commencer à travailler. Je ne peux pas pleurer un collègue, un enfant, un ami, un frère, artiste, surtout musicien sans la musique. C'est pour cela que je me suis permis d'avoir ce fond musical pour illustrer ce message. Defao était une personne qui avait l'humilité, pas conflictuelle, un travailleur et très famille. Il s'était bien intégré dans le groupe. Un showman, un excellent danseur, chanteur, auteur, compositeur. Le fait d'être un artiste qui voyage souvent dans le cadre de son métier, la mort peut nous surprendre partout et à n'importe quel moment. Personne ne connaît le jour et l'heure. Nos condoléances à la famille biologique et artistique, paix à son âme, Général Defao. Nous ne t'oublierons pas, tu as apporté un plus dans la rumba congolaise. Et en ce moment que la rumba congolaise se positionne, c'est à nous de la valoriser et la pérenniser en transmettant de bonnes pratiques et valeurs aux générations futures. Encore une fois, je vous remercie. Paix à ton âme, Monsieur Defao, Général Defao.